Madame la secrétaire générale, vous êtes intervenue à cette conférence du pôle fonction publique d'Agence de Zer, la mondiale, on est le 17 novembre 2020. Vous avez témoigné d'une fonction publique qui se réinvente face à la crise sanitaire pour le meilleur. Oui, pour le meilleur, bien sûr. Ben, d'abord, la fonction publique a dû se réinventer parce qu'il a fallu faire face à une situation dans laquelle ben, on a eu comme objectif numéro un d'assurer tout le service public. Et tout en protégeant les agents et donc en mettant en place toutes les mesures barrières et les mesures de confinement lorsque cela était nécessaire. Vous êtes particulièrement intervenu sur les enjeux numériques. On a compris que le numérique n'est pas la solution à tout. Il faut l'accompagner. Les managers, le management joue un rôle essentiel. Ben, c'est une condition nécessaire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est amené à travailler complètement à distance sans pouvoir se réunir, c'est une condition nécessaire d'avoir des outils suffisants, mais ce n'est pas une condition suffisante justement, parce que derrière, il y a tout ce qui est management, tout ce qui est relations humaines, tout ce qui est accompagnement des agents, accompagnement des usagers, qui ne peut pas, au moins en 2020, je dirais, ne passer que par le numérique. On a vraiment besoin de trouver d'autres modalités, de revoir nos modalités de travail lorsqu'on est obligé d'être complètement à distance, etc. Donc c'est un vrai challenge en fait. Troisième et dernière question, Madame la Secrétaire Générale. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. Je souligne la question de l'engagement, la question de la proximité, la question de l'innovation technique, technologique qu'on vient de mettre en avant. Je retiens surtout les femmes et les hommes qui font le service public, qui sont essentiels, qui ne peuvent pas être remplacés. Ben, ça, c'est une des choses dont on a pris conscience en permanence, c'est-à-dire les fortes attentes qui s'adressaient à nous en tant que service public, fortes attentes des usagers, que ce soit ben, les usagers personnes physiques ou les entreprises pour le ministère de l'économie. Les entreprises ont eu besoin d'avoir, et ont toujours besoin d'ailleurs, d'avoir un ministère de l'économie et des finances présent au quotidien à leur côté, par des modalités qui effectivement ont dû être complètement rénovées parce que ben, on est passé sur des conf-calls, sur des visios, etc. Mais c'est vrai qu'on a ressenti très fortement, les agents l'ont ressenti, les organisations syndicales l'ont ressenti, cette espèce de besoin très fort qui s'est exprimé vis-à-vis du secteur public, vis-à-vis des administrations, d'être présent. Et donc c'est un peu le moindre des paradoxes d'être présent sans être présent physiquement. Voilà. Merci pour ce témoignage. Merci Madame la Secrétaire générale. Je vous en prie.